Les amis, à toutes et à tous, bonsoir. Bienvenue à Lab des USA, un programme de Blaise MK. Aujourd'hui, comme je l'ai écrit dans mon introduction, nous allons devoir parler des Katangais qui se sont fâchés et puis des Paul Kagame qui s'est enflammé une fois lorsqu'il donnait l'idée par rapport au conflit qui se passe en RDC. Donc aujourd'hui, nous allons discuter en long et en large sur ces sujets-là. Alors, les amis, je vous remercie tous qui vous abonnez massivement sur ATN, Africa TV Network, qui est ma chaîne YouTube. Je vous remercie sincèrement pour vos adhésions massives. Soyez toujours branchés, car nous allons vous donner l'actualité politique pertinente et précise dans mon style. Alors, pour introduire, comme je vous ai dit, que nous allons parler des Katangais qui se fâchent de plus en plus, car je voudrais vous dire un truc avant qu'on puisse entrer dans le vif du sujet. Actuellement, les FCC en train de voir dans quelle mesure est-ce qu'ils vont balayer de revers de la main à toute l'élimination que Félix Tshisekedi a fait le week-end passé. Alors, comme vous avez déjà remarqué, les FCC, comme toujours, dans son modus operandi, ils ont sous-traité quelques défenseurs ou porte-parole de la Mouka pour déjà commencer avec les ballons d'essai. D'abord, c'était mettre au professeur François Onyemba qui est allé dire que ces ordonnances-là ou ces nominations-là étaient, en violation de la constitution congolaise. Alors, on va commencer par les petits poissons, quelques membres de la Mouka, et puis un peu plus tard, on va voir comment est-ce que le monde réagit avant qu'on ne puisse passer aux gros poissons. Les grands communicateurs du FCC même vont parler en personne. Alors, de quoi s'agit, mesdames et messieurs? Vous êtes sans ignorer que le week-end passé, le président avait procédé à une série de nominations. Il y en a qui disent qu'il avait fait exprès d'envoyer le premier ministre en mission pour qu'il reste faire son nomination là. Alors, je vais vous donner le point de vue d'un juriste nous avons contacté, qui nous a donné exactement ce que la loi dit en ce qui concerne l'élimination en cas de l'absence du Premier ministre. Parce que jusque-là, la jeunesse katangaise s'était enflammée du fait qu'ils sont négligés, ils ne sont pas considérés, du fait que le Premier ministre est dans le pays, mais pas en dehors du pays, et que le président ait cherché M. Kankonde comme contresaint. Alors, je vais vous mettre cet audio de Roger Victor Mokeba. Écoutons. C'est un débat bête, comme Nongolo Beliango. C'est un débat qui n'a pas. Tu vois, c'est ce que j'étais toujours dit que maintes fois on comprenera qu'il y a de ces gens. Ils font trop de bruit inutile. L'administration ne peut pas s'arrêter lorsque le Premier ministre n'est pas là. L'administration ne peut pas s'arrêter. Le ministre de la Justice a démissionné. Et vous me dites quoi? Qu'il n'y aura plus d'administration? Quand il y a un problème qui concerne le ministre de la Justice, donc s'il barotique, on est moins. Non, il y a son adjoint qui est là. Il y a son adjoint. Vous devez lire la loi portant, n'est-ce pas, sur l'organisation, fonctionnement et attribution des tâches, ainsi que les modalités. Il y a collaboration du gouvernement avec le président de la République. Même l'article, je crois, 90 de la Constitution parle de ça. Que lorsque le premier ministre qui est le chef du gouvernement, qui engage le gouvernement, en cas de son empêchement, il est remplacé directement par un des membres du gouvernement ayant la prééminence. C'est ce que la loi dit. Quand est-ce qu'il est remplacé? C'est à ce moment-là qu'il est remplacé. Et cette loi portant organisation, fonctionnement et attribution des tâches, il y a gouvernement, et ils allaient même constipuler que celui-là qui le remplace, il a force de loi. Ce qu'il dit, il engage la politique du Premier ministre. C'est tout, il n'y a pas un problème là-dessus. Le contresseur en soi n'est pas un problème comme un veto, que non, si je ne signe pas, c'est un veto. Non, le contresseur, c'est une procédure administrative. C'est moi qui nomme. Moi, je dois nommer, la nomination est sanctionnée par une ordonnance présidentielle. Lorsque je nomme, pour question d'administration, est confirmée la première signature. Il est demandé à ce que toi tu viennes aussi contre-signer. Tu signes ici, j'ai fait la nomination, signe aussi là-bas, contre-signe là-bas. C'est une procédure administrative. C'est-à-dire, le premier ministre ne peut pas refuser. Il va refuser pourquoi? S'il refuse, c'est
encore une infraction. Il veut refuser pourquoi? Il ne peut refuser que si, par exemple, il arrive que les documents, même s'il contresigne et qu'on constate que cette ordonnance n'est pas conforme à la loi, mais ça ne le concerne pas. Lui ne fait que mettre son contresign. Et le contresign n'est pas un acte, ne peut pas venir valider, donner, comment on peut dire, une valeur juridique à un document dignement signé par, à une ordonnance dignement signée par le chef de l'État. Mais qu'en est-il maintenant de ces ordonnances au Sengi contresign? Et ces documents-là ne sont pas n'ont pas de valeur, ils appellent la valeur. Et la valeur. Lorsque le président de la République a dit qu'on signait pour la grâce présidentielle, lorsque vous allez co-signer pour co-installer le gouverneur, lorsque vous allez co-signer ordonnance pour nommer les premiers ministres et les membres du gouvernement, est-ce qu'ils ont signé contre ça pour les ministres? Non. C'est pour dire que ça ordonnance n'a pas de valeur. Elle a de la valeur. C'est un débat inutile. Un débat, il y a un débat qui a une sensité. Je crois qu'il serait même mieux que vous auriez un peu de temps d'organiser une émission. Dites à ces gens-là, ils doivent vous fouiller. Batala que, je crois, en 2018, M. José Makila, n'est-ce pas, avait fait à Salakinani, comment on appelle ça, José Makila, à Salaki, Yepé, à Banako, contre-signé, n'est-ce pas, les ordonnances du chef de l'État, Zako, je vais intérim à Premier ministre, tant qu'on se déplace à qui. Donc, tout est possible. Donc, c'est ça. Et à Koutou, les Kamoutakos, ça, là, un débat là-dessus. Faire le débat, il y a diaspora, n'a pas tant d'ingouana. Non, il faut seulement organiser une émission. Et organiser seulement une émission. Donc, on va donner le détail. Expliquer qu'est-ce qu'on appelle les contre-saints. On va essayer d'expliquer tout cela en long et en large. Ok, là c'était Roger Victor Mukeba qui est mon analyste du droit maison, qui est mon juriste, celui qui traite des questions judiciaires car il a fait le droit public à part la géologie. C'est un intellectuel complet. Nous avons étudié avec lui quand j'étais à l'université de Lubumbashi. Lui étant en géologie, moi j'étais encore en gène droit à l'université de Lubumbashi. Alors je vous passe cela pour entrer dans le sujet. Aujourd'hui, je voudrais qu'on puisse un peu réagir. Vous voyez, il y a des jeunes, par exemple, du Katanga qui ont réagi par rapport au fait que le Premier ministre n'était pas dans son bureau et que le président est allé de lui-même signer ces ordonnances-là. Et vous avez vu déjà la réplique au niveau déjà de Kinshasa. Comme je vous ai dit que l'FCC a commencé par sous-traiter d'abord quelques gens de la Mouka qui vont dire que le président, c'est qu'il a fait là illégal. Et puis le gros poisson sortira après. On va voir comment ça va se passer. On est en train de juger l'eau, hein. Donc, toujours, matamale, malembe. Soba, moun, ki, rossimba, et simi, batake, kote, wana. La crainte sur laquelle ici, la crainte est que le FCC a été, en quelque sorte, défavorisé. Or, l'administration publique n'est pas FCC cash. Waneza, makamouya, mboula, matari. Donc, le président nomme, bateau, a collaboré le moment directement, sans qu'il a consulté moto. Loi, et biso, et pouvoir, n'ingwana. C'est ce que notre loi prévoit. Donc, le président a le plein pouvoir de nommer qui il veut dans la poste ou dans la magistrature en tant que magistrat suprême et puis l'armée en tant que commandant suprême des armées congolaises. Alors, jusqu'à ce que la constitution va subir une modification, c'est ça quand on peut s'opposer au président. Aussi longtemps que va changer nos lois T sur la nomination et la magistrature et l'armée, bah, ça ne peut pas commencer à vouloir dire aujourd'hui du matin au soir qu'il y a Zalakate. Naturellement, moi, les mains, on a fait la son pour tout comprendre ensemble. Qu'est-ce qui se passe avec les jeunes gens ici? Pourquoi est-ce que bah, on a ras-le-bol? Tout ce qu'on comprend. RDC pour respecter Premier ministre. Réunis par des centaines pour exiger le respect et la considération des Katangais au sein du gouvernement Félix Tshisekedi, ces jeunes Katangais ont fait un sit-in devant la résidence privée du Premier ministre Ilunkamba en mission officielle dans le Katanga. Nous sommes les jeunes Katangais. Nous avons appris les signatures des ordonnances présidentielles. Chose qui nous a choqués parce que le Katangais n'est pas considéré. Le Premier ministre n'est pas en dehors du pays, il est à l'intérieur du pays, mais on va contresigner les ordonnances avec un ministre intérimaire. Donc ça nous a choqués et on a vu que nous, les Katangais, ne sommes pas considérés, d'où
chaque personne doit tirer les conséquences de tout ce que, qui va suivre après notre passage. Trop c'est trop, le Katangais reste figurant dans la gestion du pays, pense ce jeune. Oui. Premier ministre, alikuwa hapa Katanga, au Katanga, Katanga, kufanya ni kazi ya pays. Oui, oui. Président de la République, il doit vous dépêcher. C'est ça. À notre grande surprise, tunaona, président de la République a signé ma ordonnance. C'est ça. Présidentielle, ministre ou intérieur. Ce jour est en train de dire que le premier ministre a été dépêché la président au Katanga, justement, pour une mission officielle, afin de mettre la paix et voir ce qui s'est passé après les marches. Du 9 et du 13, mais et ils sont surpris que le président ait signé les ordonnances. Donc, pour Nabango, na classe nous sommes à Tangawana. Il faut baser la première chose pour que le président signe un document. Mes amis, nous sommes en train de fausser la science pour rien. Vous vous rappelez, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Na Congo, tout en pays aujourd'hui, professeur d'université, à quoi il y a loi, à quoi il y a principe, il y a loi, il y a science, quelque point pour défendre Kabila. C'est ce qui se passe ici. Donc, le coup est en défaveur à Kabila. Kabila est sous le contrôle. Il y a justice. Il y a sous le contrôle et armée. Il y a difficulté à Koumiangoana. Vous voyez un peu? Déjà, l'objet est toujours des images. Au moins, il joue à Kenegi en Belgique. Il est en train de faire le footing. Ce qui prouve qu'aujourd'hui, il n'est plus intéressé à vraiment dans. Il parle de quoi? Kamona, Akei, journaliste. Il parle de quoi celui-là aussi? Ok, je continue. Je disais que. Donc, le président peut signer une ordonnance sans que le premier ministre Kazalawana soit signé en go. Nous les mamies balais sur lesquels nous avons développé Magamona Rodolphe Sima. Je vais vous parler de cet article ici, que nous avons vu Christophe Ragou, ou Afrique Arabia, a publié. Alors, il y a une manifestation de soutien. Il y a John Numbi, Isaac en gestation pour aujourd'hui le 21, pour se plaindre du fait que pourquoi Balongoli est en poste de commandement. Donc selon eux, on devrait Kotika John Numbi en poste de commandement. Et puis il dit ici, n'oublions pas comment on a perdu Moïse Tshombe, les autres que les autres. Non mes amis, là on est en train de détruire l'histoire politique du Katanga. Certes, le Katanga, il y a du temps, c'était considéré comme une pesanteur politique, une pesanteur au développement du Congo, bien sûr, parce que tous les coups bas passaient par le Katanga. Je ne sais pas, est-ce que c'est parce que le Katanga était si riche, ou c'est parce que le Katanga lui-même avait des tendances indépendantistes, ou ce qu'on considère comme rebelle, hein? Oui, alors comme il s'est retrouvé qu'il est confortable chez lui, il a une infrastructure bien assise, il pouvait se détacher du reste du pays. C'est pourquoi le chantage que le Katanga faisait au Congo a toujours marché. Le chantage que le Katanga a toujours fait. Alors, Joseph Kabila, ayant compris cela, il a morcelé le Katanga, il a fait le Katanga, il a créé la Lomami, il a créé la là-bas. Pourquoi? Pour affaiblir le Katanga, peut-être que pour qu'il ait la même mise à contre l'Ango suffisamment. Alors, Biloko, sur le plan politique, et quoi, sur le coup, il y a le Kouta, mais les gens qui fabriquent cette chose ici, ça peut enflammer le pays. Vous vous rappelez du fameux du rapport de Kivu? Juste quelques personnes ont pris des photos sur les réseaux sociaux. Ils ont lié ça avec l'arrestation de Vital Kamerhe, République de Kivu. C'est allé dans tous les sens. Donc c'est parti dans tous les sens. Alors, cette affaire ici de John Numbi, c'est déjà un ouf de soulagement pour l'armée congolaise. Parce que l'armée congolaise devait recevoir un financement. Vous savez que notre pays est un peu en difficulté. Alors Numbi, en quelque sorte, il avait pris un laitot. Donc, investissement au Talibanda, par exemple, promesse, il y a l'administration américaine. Ceux qui battent en coopérer en Abidjan, vous êtes bien partis. Souvenez-vous de l'Angola. L'Angola s'est stabilisé à cause de l'appui des États-Unis en Angola, bien sûr. Le pays d'Inté, le Rwanda, par exemple. Le Rwanda a été appuyé par, je veux dire, les États-Unis et l'Israël. Il y a un groupe stable dans l'organisation Bazanango. Ils ont une caserne moderne. La même chose qu'on a promis aux Congolais. Du fait que nous sommes déjà longué et puis nous avons des gens qui sont sanctionnés, ils n'ont plus de postes importants. Les postes européens sont des décisions. Alors, le président, dans sa sagesse, a acheté un poste administratif. Il est très dangereux, les amis. Nous avons des gens qui sont très dangereux. Le président rwandais, Paul Kagame, se plaint par rapport à la dépense. Monesco a dépensé à la Congo. Il dit, il dépensera 1 milliard à la Congo. Il a dit, 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 ça c'est leur travail.
on dépense environ 1 milliard de dollars. Nous avons besoin d'éléments. Il y a une deuxième réunion qui est en Rwanda. Il y a une réunion qui est chaque année. Nous avons besoin d'éléments. Comme c'est en anglais, nous avons traduit au fur et à mesure que il est mis au Kende. Nous avons besoin d'éléments. Paul Kagame has been rallying his country to fight for the restoration of a good profile. While opening the 10th National Dialogue, the Rwandan president pendant le deuxième dialogue national, bon, Kagame a côté tout furieux. Il va leur expliquer exactement c'est quoi le nom du problème. Namrambo est allé qui vous na RDC. Kagame va expliquer ça sans mettre donc la bouche dans sa poche. Il va expliquer ça clairement. Il va expliquer clairement. Tout le Napoléon Kagame va commencer le Rwanda. Crime it has not committed. The cost of accepting it is much higher than the cost of pushing back and refusing. Alors que quand la situation est dans la Kivu, coup d'angoisse est très désélevé que coup il faut se retirer. Challenge the United Nations mission in Congo to give an accountability of the $1 billion they get and the 20,000 men on the ground. C'est que voyez que MONUSCO a 20 millions de troupes. 20 000 troupes, je voulais dire, hein, parce que c'est 20 000 troupes dans le niveau Congo, et puis le budget de la banque annuelle est à 1 milliard de dollars, donc une baratelle somme d'argent. Tout le monde à présent à Kagame. Abin Hozi Bibibi. Baravuga Chane. If you want me to solve the problem of neighbors, or carry the burden of neighbors, you pay me to do it. Ok. Ce que vous voulez dire, c'est le problème de vos voisins. Ou bien il a un fardeau de bango. Bon, foutanga pour nasa lango. Il a dit ça clairement. Si vous voulez que je puisse résoudre les problèmes des voisins ou que je prenne leur fardeau, vous devez me payer. Pourquoi payer à la MONUSCO 1 milliard de dollars? La MONUSCO ne fait rien. Bolinga n'intervient à Congo pour rien. Non. Tout le monde a son raisonnement et sous. You can't pay others and waste your money. And when you fail, you come to me and say, no, you must solve that problem. Abi, bozo na mbongo, bozo futa watu mususu ba kesuzu problem. Kango bo shuwe, boye pa nanga keno, silisasi lo kamboyo, silaka bongo te. How? I have my own problems to deal with. Nazape na banga problem, ufansi na sokepe nango. Donc, Kagame azako explique. The Rwandan president told. Azako explique, anaral bol, azako explique, bagamboyo. Dengue, je sais maintenant comment ça fonctionne. En quelque sorte, Azak ont attaqué les Américains, les Anglais, tous les donateurs, les cassis des Nations Unies. Donc, comment voudrez-vous que vous avez la RDC, vous dépensez 1 milliard de dollars dans MONUSCO. 1 milliard de dollars, s'il vous plaît. Vous dépensez en Okuna, c'est que tout le monde a un problème, il y a un ADF dans le consort, vous avez aussi un problème. Pour qu'il y ait un ADF, il y a un conglomérat, il y a des mafiateurs, sponsorés bien sûr par Yemro Kagame, Museveni, présent à Tikibiso et à Burundi, parce qu'ils avaient trois pays, wana, quelques Tanzaniens, en Afrique de l'Est. Donc, ils ont acquis mine d'or pour Nabango. Donc, alors, pour il faut que les Nations Unies aient un problème pour Nabango, ils n'auraient pas le Congo. Donc, ils ont mis sur Mogo éléphantesque, ils ont acquis pour dépenser de l'argent. Alors, ici, maintenant, on a John Numbio, il y a une association, il y a défense. Ce n'est pas une très bonne chose pour l'armée. Ce n'est pas une image pour notre pays. Pour l'armée, ils ont la partisan, l'armée nationale, commandant en chef et président. Ce qui est Montemapinga, est que l'ongle de la poste est la grève, la rébellion. Et si le vent est là, c'est tout. Quand tu es désaffecté, aussi le vent est là. Ce l'ongle, c'est tout. C'est quoi le terme? Démobiliser, hein? Démobiliser, démobiliser, oui. Quand tu es démobilisé au ticket armé, il n'y a plus autre chose à faire. C'est ça avec l'armée, c'est sans embâge. Bah, l'ongoli, ok, non, armée. On n'a plus besoin de toi. On te remercie pour le service loyal que tu as rendu. Service héroïque. C'est tout. Bah, décoré, yo, pam, pam, pam. On remet au chancelier, mamoussili. Alors, ça y concerne. Babilo, koyo, c'est pas très bien pour notre pays. Oui, bah, justement, oh, effectivement, toi, dans les Kamois, trahison, par exemple. Quand Joseph Kabila parle de la trahison, les Katangais m'ont trahi. Mais c'est finalement quoi la trahison, Bandeko? Tout le temps, moko. C'est pour mes intérêts. Mais si quelque part, tu retournes que mes intérêts n'ont rien à préserver, je vous laisse. Si mes intérêts ne sont pas garantis, je taille mon chemin. Ce n'est pas une trahison. Appelez ça comme vous voulez. Vous vous rappelez du plan, dans l'ancien temps, il y avait une histoire de coup d'État contre Mobutu.
ces temps-là, je pense George Bush, qui directeur à CIA, un truc comme ça, Molongo Miche avait filtré l'information. Alors, par crainte de représailles, Mobutu n'avait plus besoin de lui. Mobutu devait éliminer physiquement tous les mondes là qui devaient être partis de ce complot-là. Qu'est-ce que Mobutu a fait? Mobutu l'a remercié, il a empoisonné Molongo Miche. Miche était mort comme ça. Vous voyez? Molongo est parti comme ça. Tout à même si on prend Juif Bazam Kalei, et parler d'un circonstant Mogo inconnu. C'est parce qu'il voyait que le changement venait, il était grand temps qu'il prenne son propre chemin. Donc, le FCC ou le PPRD avait un système où ceux qui ont Tiki Bango, on doit t'asphyxier, il ne faut pas dire OP, mais il ne faut pas vivre. Alors, là, on a des craintes, Makasi, et ça, qu'on révoltait Batou. Alors, Kabila, en disant cela, a ça que Batou, Batiki Nga. Effectivement, si les Baba Kyung ou les Moïse Katoumbe quelque part, Batika et Kabila, parce qu'ils vont trouver que s'ils continuent à aller dans le chemin au Kendewana, ils ne vont pas se retrouver et aussi leurs provinces ne vont pas se retrouver. Vous voyez? Alors, si les Katangé trouvent que, avec les troubles que le pays aura, les Katangé ne seront pas, les Katangé ne seront pas se développer. Mais pourquoi est-ce qu'ils doivent appuyer Kabila? Ils doivent les laisser, ils doivent les quitter. Et pourtant, ce que je dis bien, les Katangé sont le plus grand bénéficiaire de la poste minière dans le Congo, dans Mobutu jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à nos jours. Ce sont toi qui bénéficient de gros poste dans la Juba Katangé, ma poste ouana. Ma poste moi, ils ont juteux, hein. T'es là comme ministre des mines, ministre ce qui a Nini. Il y a un truc là au monde encore, t'as mingi mingi. On met souvent les Katangé là-bas. T'es là gouverneur de la banque, c'est un Katangé. Tu vois tout le monde là? Si je ne le dis pas, je ne le dis pas juste que voilà, sinon je vous donne les faits, tel que les faits sont là. Alors, on doit nous laisser ce discours-là pour que le pays vaille de l'avant. Les Congo est en marche, les amis. L'éveil patriotique consiste à supporter notre pays. Qu'ils puissent aller de l'avant, pour qu'ils puissent développer davantage. Vous savez qu'avec l'élimination qu'il y a eu, par exemple, aujourd'hui, il y a eu une réunion, aujourd'hui, à l'ambassade des États-Unis. Déjà, l'agence là, qui était nommée pour lutter contre la corruption, a déjà commencé ses premières tractations. Attends, je vais vous mettre la photo que j'ai prise ici, de nos amis, je pense bien, d'actualité.cd. Il y a une photo où il y a la délégation là, en personne, avec l'ambassadeur des États-Unis. Symboliquement, il y avait quelques agents du FBI, aussi quelques magistrats américains qui vont entraîner les Congolais pour qu'ils soient efficaces dans la lutte contre la corruption, surtout le blanchiment d'argent. Leur enseigner comment est-ce qu'on suit les circuits d'argent, ce qu'on appelle en anglais money trail. Les Américains sont experts en cela. Balingi va transmettre que biso connaissance wana. C'est très important pour le développement de notre pays, pour ba fouille de capitaux namboka na biso eza sérieux, sérieuse, je voulais dire, c'est une fuite, non? Fuite, une fuite sérieuse, oui. Ba fouille de capitaux namboka na biso, oui, j'ai pas trouvé la capture. Tu continues ka bongo. Continuons seulement comme ça. Je vous disais donc, fouille de capitaux, c'est difficile que le peuple se développe facilement. Alors, article lobby, c'était au cours d'une réunion qu'il a eue ce mardi 21 juillet avec le nouveau leadership de l'agence de prévention de la lutte contre la corruption, récemment nommé par Félix Tshisekedi, bien sûr. Ok, excellente réunion avec le nouveau leadership. Ça, c'est l'ambassadeur des États-Unis qui dit ce qu'il dit comme ça. Et puis, il dit, ils ont travaillé avec les agents FBI et procureurs américains qui sont prêts à collaborer sur d'affaires connectées à l'échelle internationale. Ce qui est très important. Donc, dans une ordonnance lue ce dimanche soir à la télévision nationale congolaise, Félix Tshisekedi a nommé les principaux animateurs de l'agence de prévention de la lutte contre la corruption. Il est très important parce que il s'agit d'un service spécialisé au sein du cabinet du président de la République. Donc, le président va piloter lui-même cette agence-là, qui aura pour tâche, à l'image de la brigade d'Eliot, d'Eliot Ness, dans les années 20 aux États-Unis d'Amérique, hein, de lutter contre la corruption au sein des institutions et entreprises public, déstabiliser et de prévenir, d'éviter l'évasion des capitaux.
et vous avez capté une bande de coïza à Ozim Bongo, l'état boyé, et quel Liban, et quel Beyrouth, et quel boyé, et quel Istanbul. Et puis l'état se retrouve pauvre. C'est un peu dans ce sens-là. Alors, parlons maintenant politique congolaise. La politique congolaise, très bientôt, nous risquons d'avoir un dialogue très bientôt en RDC. Alors, les amis qui m'appellent, appelez-moi sur WhatsApp, s'il vous plaît. Si vous voulez intervenir, ne m'appelez pas sur l'appel normal. Appelez-moi sur WhatsApp. Quelqu'un m'appelle de New York. S'il vous plaît, appelez-moi sur WhatsApp. Ne m'appelez pas en appel normal. Comme ça, on va voir comment est-ce qu'on va ensemble aider, contribuer avec nos idées pour développer notre cher et beau pays qui est la RDC. Donc, les amis, là, j'étais en train de vous parler de l'interprétation politique en RDC. Alors, j'avais préparé un élément. Attendez, je prends une courte pause et puis on va rentrer au dit élément. Osana osana, loku muto pesa na baeba bonga na ngote osana osana ye. Iambalo yembo, libonza motu ya na memeli yo mokonzi, iambalo yembo yo. Du fumier, tu relèves l'indigent de la poussière, tu retires le pauvre, tu le fais asseoir avec les grands. Yasuku mamana yo. Najali kokumi sankolo na motema na ngai mo bimba ina tondi samina esengwe pa ya nzambe mobiki sina ngai oye atalinga mosali na ye moto na sanga valeur melelo. Mokili moko benganga moto na esengo Yahweh Yahweh eh. Hanga nguya yonda sipaka mposa motema moto. Hanga nguya yonda sipaka mposa motema ngai. Capable de faire au-delà de notre pensée et imagination. Efeze 3:20 na sengi moko upe singa 10. Efeze 3:20 na sengi dise yo pesinga sang. Hanganguya yondo zipaka mposa motema moto. Hanganguya yondo zipaka mposa motema nangai. Osana osana, loku muto pesa na baeba bonga na ngote osana osana ye. Iambalo yembo, libonza motu ya na memeli yo mokonzi. Iambalo yembo yo. Osana e, osana osana, Yahweh. Lokumuto pesa na baeba monga. Bato yo bako kufa e, kasi tozo ngeli yo. Iambalo yembo, ibonza motu ya na memeli yo. Nyonso zaya yo, iambalo yembo yo. Mutakozo angote. Ngaye, na yembe la mokili na kipateo. Ngaye, na binde la mokili na kipateo. Kobina na bina kobina ya mpamba he. Koyemba na yemba koyemba ya mpamba ma. Bandana sede sida na yembe la kananga mokonzi yo. Ngana biki na bolingo. Ngana biki na la mulo yo. Osana e, osana osana. Loku muto pesa na baeba mokonzi na gazwa loku mwe. Iambalo yembo, lo yembo, ya motema na nga mobimba Yesu. Na ganyi na mongongo na ngaye. Papa na ngaye, mokonzi na ngaye. Papa mabota e, papa bana bitike. Iambalo yembo, ibonza motu ya na bebeli yo mokonzi. Iambalo yembo yo. Amour éternel, amour agapé, amour ya Jésus nangayo. Tu m'as connu dès avant la fondation du monde.
par mon nom, yo benganga na yeba mana zambo yo. Nandi mama na tonga kondi mana libanga yeso. Mutwa za kaka mutu, zamba za nzambe. Kamata elitia ucha yango na nzambe. Loku mutope sana baeba munga na mbote osano sana ye. Mutwa za kaka mutu, zamba za nzambe. Kamata elitia ucha yango na nzambe. Loku mutope sana baeba munga na mbote osano sana ye. Loku mnyonswe munga na ye. Yambalo yebo ligonza mbote. Uwe jesu piana memeli yomo konzi. Yambalo yembo yo. Yemba. Alors nos amis, nous sommes de retour sur ce plateau. Alors j'ai pris beaucoup de médicaments. Voilà, nous sommes de retour au plateau. C'est l'élément que je vais préparer avant qu'on puisse entrer dans les détails, des détails politiques en RDC. J'ai préparé ça, mais quand j'étais sur le programme, j'ai pas vu ça. C'est pourquoi j'étais en train d'être obligé d'interrompre pour aller creuser ça là où j'ai exporté, afin que nous puissions avoir le même moral, que nous soyons ensemble. Je salue les amis qui nous suivent en direct. Nous avons Laurent Kachala, nous avons Mbongwe, Jefferson, Alex Mutombo Katende, Amos Georgia, Conclave Mputu qui me dit bravo. Cédric Ngandou, à vous tous qui me suivez, en tout cas je vous salue. À qui d'autre m'a fait un coucou? Ça c'est Gigi Makumbi, ouais, qui a fait un j'aime. Là c'est bon, continuez à faire les j'aime. Hein. Partagez mon émission, parlez-en aux amis pour qu'on voit comment est-ce qu'on va évoluer ensemble avec ATN, Africa TV Network, qui est notre chaîne YouTube. En tout cas, les amis, soyez toujours branchés, scotchés, suivez-nous d'habitude, car nous allons vous donner des éléments qui sont très importants, qui sont pertinents aussi, question de vous tenir informés en temps réel, sans vous amener à ce qu'on appelle les formoles. Alors, je tenais à parler de la politique congolaise qui est en très mouvement ces derniers temps. Vous avez appris les rapprochements que JKK, Joseph Kabila Kabange, a tenté à faire à Moïse Katumbi Tshabe. Aussi, les rapprochements possibles entre Jean-Pierre Bemangombo et Félix Tshisekedi. Alors, c'est très, très, très compliqué pendant ce temps. Il y a une majorité qui est en gestation, une sorte de majorité à diriger le pays dans les prochains gouvernements. Alors, nous avions appris, selon certaines sources, que si Jean-Pierre Bemba a basculé dans le camp de Félix Tshisekedi, c'est lui vraiment qui aura la part belle. Il serait le premier ministre ou sera celui qui va désigner le premier ministre à diriger les prochains gouvernements. Alors, avec Moïse Katumbi Tshabe, je ne sais pas quelle est sa réponse à Joseph Kabila. Ce que nous savons des sources très sûres, c'est que l'équipe de Joseph Kabila a rencontré sûrement Moïse Katumbi, mais nous ne savons pas ce qu'il a dit. La réponse à ça, nous ne savons pas. Nous le saurons dans les jours qui viennent. Alors, je vais m'attarder sur Jean-Pierre Bemba. On dit Jean-Pierre Bemba du MLC aurait quitté la Moka et s'allie à Félix Tshisekedi pour être le prochain premier ministre de la plateforme majoritaire du Parlement congolais. Voilà ce que les gens pensent et ils ont écrit cet article ici. Et il faut signaler aussi que Fayoulou Martin rentre au pays, je pense bien, les mois prochains, les premiers ou les deux. Question d'être aussi au parfum avec le peuple congolais pour ne pas aussi rater sa place en politique. Vous savez, en politique, c'est le rapport de force. Comme il est parti il y a très longtemps du pays pour les États-Unis, alors il tenait à rentrer pour être avec sa base. Question de galvaniser sa base, garder le feu. Toujours en train de flamboyer, de garder le feu allumé de la Mouka. Alors, il a voulu être au pays pour aussi jouir de ses bains de foule, aussi garder son opinion, sa popularité dans l'opinion. Alors, on dit, en effet, l'eau est passée sous les ponts depuis les événements de Genève. En politique, il n'y a pas d'ennemis. Mais plutôt, ce sont les intérêts qui compte en politique. Donc, c'est ça la politique, les rapports de force et les intérêts. Et ce qui peut avoir, et l'homme se zate. On se souvient encore, lorsque Étienne Tshisekedi était décédé, c'est Liliane Bemba, l'épouse de Jean-Pierre Bemba, qui fut aux côtés de maman Marthe Kasalu, compatissant avec la famille Tshisekedi.
Nous ne devons pas oublier que la politique africaine est une affaire de tribus. Madame Lilian Bemba est originaire du Kasaï. Et c'est son frère qui est aujourd'hui le président de la République. Les présidents Félix Tshisekedi Tshilombo et Jean-Pierre Bemba se sont beaucoup rapprochés ces derniers temps. Vous avez tout compris, hein? Cela, vous avez tout compris. C'est pourquoi cela a un peu mis en difficulté Jacques Njoli et Jean-Jacques Mamba, qui sont plus en plus sous-traités par l'FCC. C'est quitte à voir et comprendre dans leurs déclarations. Et pour aller plus tard, plus loin, le chairman Jean-Pierre a interdit que soient diffusées les informations ni accueillir les anti-tshisekedistes sous sa chaîne de télévision Canal Kin. Vous avez tout compris, non? C'est pourquoi aujourd'hui, Sembo, sur Sembo, si vous remarquez, on ne tape plus sur Tshisekedi. Parce que ces rapprochements-là en gestation, Bemba ne voulait pas les gâter, il veut un peu les préserver en quelque sorte. C'est ça la politique, mes amis, en RDC. En politique, tout est possible. Il n'y a pas d'ennemis, ce sont les intérêts qui comptent. Alors, nous sommes arrivés à la fin de ce programme. Je vous remercie beaucoup, vous qui vous êtes abonnés massivement sur ATN. Continuez à vous abonner et vous tous qui m'avez suivi, qui n'avez plus la peine de me suivre. Merci beaucoup et à la prochaine. J'ai pris beaucoup de médicaments parce qu'il y a les maladies du corona, tu comprends? J'ai pris beaucoup de sang dans ma main, mais je ne peux pas parler comme je suis en brièvre. Vous confirmez cette question? Non, vous n'allez pas répondre à ma place, laissez-moi. Vous n'allez pas m'aider à répondre. Vous n'allez pas répondre, mais on vous pose des questions. Répondre aux questions du je voudrais vous répondre, et là où je serai bloqué, mes avocats vont. Parce que depuis trois mois, moi, je ne sais pas pourquoi je suis arrêté. Toi Kalemi, toi Lubumbashi, bateau toi Kamina, bateau toi Kolwezi. Oya Bolanda, Mibeko Nangata préféra Nando ya famille politique naye, Kombo naye, Bikuru. Pour lui remettre officiellement ma démission. Chers compatriotes, comme je m'y étais engagé, l'établissement d'un état de droit est en marche. Le prévenu, mais bien sûr, on ne peut pas établir la responsabilité civile si l'infraction n'est pas établie. C'est de la logique élémentaire. On va suivre avec attention et puis on va se voir à la fin. Hi, my name is Miriam Moore. I'm a port here in Houston, Texas, and you are watching Africa TV Network. Africa TV Network. S'abonner à Africa TV Network. Ndema Kambo, bana poto, bana Africa, bana monde entier. Est-ce que vous m'avez touché le cœur? Est-ce que vous m'avez aidé? D'ailleurs, c'est Pelissa Rabino. Est-ce que vous m'avez modéré? Vous m'avez aidé ma vieuse, ma vieuxquelle? S'abonner à bana poto, bana monde entier, Mobimba. Beaucoup dans Africa Network. Ma camboyé, souka le coup, ma moumouate, au pessimboua, moua, zimboua, boya trou. Tindezana, melangona, lipa, vous comprenez? Dans le en anglais, I do is the Waterloo. S'abonner na Africa Network TV, Africa TV Network. S'abonner. Sinon, tu n'as pas ça. S'abonner. Africa TV Network, ma comment.